Cette vie est démultipliée à travers l'espace et dans le temps. Malgré les recommandations de ta parole, elle s'est pourtant trouvée, la femme, être à travers les âges et dans les sociétés, confinée à un statut qui ne convient pas à cette créature que tu as pourtant aimée. Les efforts par la suite de pouvoir redonner à la femme sa place, celle qu'elle mérite dans la société, en fonction des capacités que tu lui donnes, des aptitudes, des possibilités, c'est un combat de toute une vie. En cette journée, Seigneur, tu as bien voulu que l'une d'elles attire l'attention sur le témoignage qui peut suivre par rapport à ce que elles, les femmes, font, chacune à son niveau, dans sa maison, là où elle travaille, et dans la société. Permets donc que les femmes, dans cette bataille pour l'évidence de leur statut dans les sociétés, soient soutenues par toi. Permets que les possibilités leur soient données de mieux s'exprimer et de libérer tout ce qu'elles ont comme talent, comme possibilité pour une vie meilleure. Seigneur notre Dieu, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que l'Éternel vous bénisse, vous les femmes de la paroisse de Paris-Nord, et qu'il vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Soyez des habitants maintenant et pour toujours. Allez en paix, bien-aimés, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.